Salut les gens, j'espère que vous allez bien, on se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo. Et aujourd'hui, nouveau tour de magie expliqué, un petit tour de petits paquets vraiment très sympa, pas très compliqué à réaliser avec un super impact. Vous allez voir, vous allez adorer. Comme d'habitude, la démo, et pour ceux qui voudraient apprendre à réaliser ce tour, vous aurez le lien de la vidéo explicative directement dans la description et également dans la section commentaires. Et bien entendu, en fin de vidéo, les résultats du concours des 32 000 abonnés. Bref, tout de suite, la démo, allez c'est parti. Allez, on se retrouve pour la démo et pour ce tour j'ai besoin de 4 cartes identiques. J'ai pris ici 4 rois de cœur et également 4 jokers. Bien entendu, l'ensemble peut être laissé à l'examen avant le tour, hein. Et regardez bien ce qu'on va faire. On va prendre nos rois, hein, les 4 rois, comme ceci. Et on va en positionner un juste ici sur la table, comme ceci. Et les 3 autres, on va les laisser face en bas, un par un, comme ceci. Voilà, le deuxième. Et bien sûr, le troisième, juste ici. Donc les 3 rois ici, en même bien entendu, nous restent donc les jokers, hein, qu'on peut montrer nettement, les 4 jokers. Regardez bien ce qu'on va faire. On va prendre un premier joker qu'on va mettre en contact avec le roi face en l'air. Et pourtant, à la place, on va insérer un roi. Donc vraiment, hein, le roi est entre les jokers. Pourtant, un geste magique. Et pourtant, si on regarde maintenant, le roi disparaît. En fait, il voyage pour venir juste ici. C'est fou, hein ? Je suis peut-être allé un petit peu vite, on va le refaire. Regardez bien, on prend un deuxième joker, on le place juste ici. À la place, on met un roi, réellement, hein, sans tricher. Pourtant, regardez bien, si on l'enfonce tout doucement, un geste magique et pourtant le roi disparaît parce qu'il vient juste ici. Allez, pour le dernier, vous avez compris, c'est la même chose, hein. On prend un joker, on le met juste ici, on le rentre et là, on va encore plus vite. À peine rentré, boum, ça disparaît. Oui, parce que maintenant, on peut tout montrer. Et montrer que le roi est maintenant rejoint les 3 autres. Et bien sûr, tout est examinable. On peut tout montrer sans problème. Il n'y a rien à voir. Et voilà, j'espère que cette petite démo vous aura plu. N'oubliez pas, pour ceux qui voudraient apprendre à réaliser ce tour, que vous avez les explications directement dans la description de cette vidéo et dans les commentaires. N'oubliez pas que vous pouvez me retrouver sur les réseaux sociaux avec Facebook et Instagram. Et également mon école de magie, magistreaming.fr, accessible également avec tutomagie.fr, les deux fonctionnent. Où vous retrouverez dessus tout simplement les bases de la magie des cartes, ou même la base de la magie des pièces, avec des techniques, des tours, etc. 100% gratuit, sans aucune inscription. Et maintenant, place au résultat du concours. Allez, c'est parti. Allez, on se retrouve sur la page de tirage au sort, donc sur le site Random Command Picker. J'ai entré le lien de la vidéo donc de la semaine dernière, là, du concours. J'ai coché la case pour supprimer les duplicata commentaires. Et c'est parti, donc on va faire rechercher donc, le nombre de commentaires qui a participé au concours. Donc là, on a 400, 500, 600... Eh bien, 638, c'est énorme quand même, vous êtes beaucoup là sur ce concours-là. Donc ça va être parti, là, on va lancer ça. Allez, c'est parti, ça recherche le gagnant. Allez, 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 allez. Alors, et le gagnant, c'est Night Shadow King. Voilà, donc eh ben, c'est toi qui as gagné. Hein. Salut, je participe au concours. Ben, félicitations à toi, tu as gagné le tour Invisible Thread. Donc, je vais te contacter par YouTube ou quoi, ou par les réseaux sociaux, pour que tu puisses m'envoyer tes coordonnées afin que je transmette et que tu puisses recevoir directement chez toi ton cadeau. En tout cas, merci à tous d'avoir participé. Et là, on va se retrouver sur le tirage au sort du concours sur Instagram. Alors, pour Instagram, c'est pareil. Je viens de mettre le lien de la publication. Allez, on va faire rechercher tout simplement les commentaires. Je clique. Hop, 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 hop. Alors, on va voir combien vous allez être sur Insta. Tac, 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 ça cherche, ça cherche. Alors, 146. Donc voilà, vous êtes moins nombreux, mais c'est pas grave. Il y aura quand même un tirage. 146 participants. On va aller faire le tirage. C'est parti. Ça recherche, ça recherche. Et le gagnant est... Eh ben c'est Mathéo Delarose. Voilà, eh ben, félicitations à toi. Tu gagnes le concours Insta. Donc toi aussi, tu as gagné le tour Invisible Thread. Donc voilà, ben, je vais te contacter directement par Insta pour avoir tes coordonnées et afin que tu puisses le recevoir directement chez toi. Donc voilà, merci à tous d'avoir participé. Cette vidéo maintenant prend fin. J'espère au moins qu'elle vous aura plu. En tout cas, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires et me lâcher le gros pouce bleu. Et on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Ciao tout le monde.